On se sert dans notre club, on se sert de nos mollets, de nos jambes et surtout de nos poumons pour monter, pour pédaler. Et donc on pense à tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Et donc il est de notre devoir, je dirais, de venir participer pour apporter notre bol et notre aide à tous ceux qui en ont besoin. Et donc la seule façon de faire, c'est de donner 5 euros pour financer la recherche, pour qu'en fait on trouve une solution à cette maladie. On fait une randonnée justement pour ça, une randonnée sur route, pour justement amener toujours un peu plus de moyens. Quoi. Et on espère que la maladie petit à petit va régresser hein, grâce à tous les dons qui sont amenés par toutes les personnes là, de la ville de La Ciotat bien entendu hein, et puis pour le reste de la France. Voilà. On est là pour soutenir les virades de l'espoir, soutenir la mucoviscidose, donc une action importante pour lutter contre cette maladie. On va pouvoir courir, participer à cet événement et du coup faire un don pour les œuvres des virades de l'espoir. Ceux qui veulent faire 5 km s'arrêtent au bout de 5 km, ceux qui veulent faire les 10 font 10. On n'a pas la PM, ça veut dire que quand on va traverser la route, on a une sécurité du club au premier, quand on va traverser. Et bon courage à tous, bonne chance. Donc c'est le méchant virus à combattre, donc après je vais continuer, qui va gagner la partie? Je pense que je vais le reproduire de plus en plus petit. C'est un concours de dessin, c'est plutôt pour les enfants viennent dessiner. Le but c'est de représenter le virus de la mucoviscidose qui se fait attaquer par des enfants, et donc de faire le monstre le plus moche possible et qui se fait ratatiner par les enfants pour vaincre la maladie. Avec une animation flash pour les enfants de 6 à 11 ans, donc sur la digue du nouveau port de La Ciotat. Superbe journée avec une quinzaine d'enfants qui se donnent au jour de la pêche et le seau est bien rempli. Voilà, je vous remercie pour cette belle journée.